Hola le vlog, nous sommes dans un tout nouveau vlog en... Attention, je vous montre à quoi ça ressemble. En Sardaigne, c'est beaucoup trop joli. On est dans une villa de folie. Je suis avec Transavia. On est arrivé hier à 19h. Directement, on est allé poser les affaires à la villa. Et dans un petit minibus, parce que c'est le petit minibus qui nous emmène un peu partout. On est 6 en tout. Et après, on est allé manger. Voilà, dans un restaurant qui était ma foi très très bon. On est allé se coucher et là la journée commence et les festivités vont commencer avec une petite journée bateau, petit déj sur un bateau. Du coup j'ai trop hâte. Et avant que tout le monde me demande, non, je ne suis pas avec la Gordie sur ce voyage. Mais des voyages ensemble arrivent bientôt, notamment Tomorrowland. Moi je dis ça. La piscine, mais c'est un délire. Elle est superbe. Regardez-moi ça. Ah non mais cette vue. Oh, j'ai trop hâte de vous emmener sur le bateau. Je vais vous laisser, je vais boire mon petit café et oh, je l'avais pas vu de ce sens-là aussi la villa. Petit pilotage de drone, juste ici. Il a disparu. Où est-il? Et voici notre bateau. Ouais, c'est bon, je viens d'accoster sur l'île de la Maddalena avec toute la petite tribu. Salut. Qui se trouve ici. Salut. Et puis bah on va aller faire des petites photos, on va découvrir l'île. Et l'île, je crois que c'est une île, j'espère. Et c'est très chiant cette sirène là en fait. Je sais pas si elle a fonctionné la première prise parce qu'il y avait une sirène qui disait Lili la lune, Lili la lune, Lili la lune. Donc je la refais. On a accosté sur l'île de la Maddalena. Et on va visiter l'île en fait. Je sais même pas si c'est une île, mais je dis ça quand même. Oui, tête. Merci monsieur. Voilà, on se prend en photo. Voilà. Attends, voilà. On est sur une île. Elle doit être formidable. Non, je sais pas. Peut-être j'ai dit des bêtises. Ah, c'est une île. J'avais raison. Donc on se balade et ensuite on va atterrir dans d'autres petites criques, petites îles et tout. Donc si vous voulez voir de belles choses, ce vlog est fait pour vous. Et ça, c'est notre bateau. Et voilà, nous voilà arrivés aux Caraïbes. On est en train de visiter la jolie plage qui s'appelle la plage des amoureux. Et on est en train de manger. Encore trop trop joli, regardez la couleur de l'eau, c'est magnifique, c'est beaucoup trop beau, j'adore. Là on va faire un petit tour de speedboat pour voir les paysages de plus près, ça va être trop bien. I just wanna help you find it. We'll explore and maybe some. There's a universe. On a l'impression qu'on fait que bouffer, mais. Voilà, les meilleures places de la Sardaigne. Enfin, pas du tout en fait, mais c'est ce que j'espère. Leave behind your own deception. And learn to live another day. Quand je me lève, il y a trop de vent, regardez. Genre on n'entend rien. Mais là du coup on est sur une toute nouvelle crique. Et encore une fois, genre c'est une eau de ouf. Genre je m'attendais pas à ce que la Sardaigne ce soit si ouf. Genre en termes de paysage, genre regarde. Je dis genre beaucoup là quand même. Genre regardez. Ouh, vous voyez pas ce qui est en train de se passer, mais je suis en train de faire ma casquette. Thank you.
as the universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Bah là on est rentré à la villa et on s'est mis en bambe pour aller faire un coucher du soleil, un apéro. On dirait que j'ai de l'highlighter mais c'est juste de la transpi. Sorry. Classe. Ils adorent. C'est genre les singes de la télé-réalité. Ah tu trouves? Ça s'appelle le vlog. Donc là nous allons découvrir un des plus beaux couchers. Et on me regarde parce qu'ils n'ont pas l'habitude du vlog, les vlogueurs. Je vais me cacher. On va voir un des plus beaux couchers de soleil d'Europe selon le New York Times. Et là vous avez une belle forteresse 15e siècle. Non je rigole. Non mais j'ai fait des études de tourisme hein. Ça je sais que c'est dans mon parc. Ok j'arrête, je salue. Et du coup c'est ce soleil là qu'on va voir se coucher ici. Et apparemment c'est ultra ultra joli. J'ai tellement hâte de vous montrer ça et de découvrir ça. Ça va être pépite. C'est bon, c'est l'heure du coucher de soleil. Je vous montre ça tout de suite. On y est presque. Voilà, le soleil est couché. On est rouge. Oh non non. On est complètement rouge. On est tous très rouges. Regardez. C'est magnifique et c'est fini. Le soleil il est parti, il est couché. Et on n'avait pas menti, genre le New York Times il avait bien raison, c'est un des plus beaux couchers de soleil que j'ai vu en Europe en tout cas. C'est magnifique. Il va falloir qu'on y aille parce qu'il y a un chef du coup qui va aller dans notre villa pour nous cuisiner le repas de ce soir. Du coup bah voilà, petit repas à la maison. Mais j'aurais bien voulu faire la fête ici quand même. C'est trop stylé. Hein? Oui, oui, c'est mon sac. Allez, on s'en va. Au revoir le super club, trop bien. Au revoir le bâtiment Napoléon. Regardez le vlog. Alors vous le voyez pas parce que du coup bah je l'ai fait en Insta Story. Je suis désolée. Mais là le petit truc dans le ciel en fait c'est un bateau qui vole. Genre je l'ai fait en Insta Story et c'était genre un bateau sur l'eau et ça s'est mis à s'envoler. Genre c'est incroyable. Et ça s'est mis du coup à s'envoler là juste bah, en face du coucher de soleil qui est encore magnifique. Mais là il faut qu'on s'en aille et je vais me faire disputer si je reste là trop longtemps. Donc il faut que j'aille rejoindre les autres. Oh c'est trop beau, je vais rester là. Je vous ai pas montré à quoi ressemblait genre la villa là de nuit. Enfin de nuit soir en fait. Nuit soir. Bravo le shake-up, tu es en train d'inventer des mots. De la nuit soir. Hop. Et la piscine éclairée c'est beaucoup trop joli. J'adore. J'aime tellement ces genres de paysages. Faut absolument que, avec ma mère et ma soeur en septembre, on se fasse un voyage comme ça. Oh, limite, faudrait que je les ramène en Sardaigne. J'étais en train de penser à la Grèce, mais franchement, la Sardaigne, ça reste une option. Du coup, là, on est tous retournés à la villa et il fait nuit dans ma chambre. On a trouvé une lumière. Attendez. Et là, du coup. Oh! La shake-up elle est un pièce, j'arrive pas à ouvrir. Bon, ok, ah voilà. Et là du coup il y a comme je vous disais le chef qui est arrivé pour nous cuisiner quelque chose. Donc c'est cool, ça fait un peu la soirée cocooning, j'allais dire à l'appart, comme si c'était déjà chez moi. Mais à la villa et voilà. Voilà voilà. Quoi? Ce petit truc là c'est quoi? C'est des courgettes hein. Ah c'est, mais c'est petites, ouais des petites courges. C'est marrant, ah, j'adore, c'est génial, formidable. C'est la radio. Mais commençons direct par la musique brésilienne avant de... Mais nous des années 80. Dites bon appétit au vlog, bon appétit le vlog. Bon appétit.
Bon ben le vlog, écoutez, on a bien mangé, la soirée étant terminée, le vlog va se terminer aussi. J'espère que ce vlog vous a plu parce qu'on a passé une super journée. Et puis ben, demain, bah, c'est déjà le retour en France, donc voilà, ça sera terminé. En tout cas, on a passé de très très bons moments et voilà. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver et de, bah, de refilmer un vlog parce que ça faisait un petit moment, là, ça faisait peut-être genre 2-3 semaines, ça fait longtemps quand même. Du coup, je fais plein d'énormes bisous et puis bah, je vous dis à très très vite pour un prochain vlog. Salut! Hola le vlog! Bon bah écoutez, ça y est, c'est la dernière journée ici en Sardaigne. Et je vous ai pas en fait fait de room tour de la villa. Du coup, je vais vous montrer. Lose the key. There's a universe inside you.